Le 533 n'est pas soutenu. Le 552, Monsieur Roseren. Juste pour compléter, donc effectivement, les dotations sont calculées en fonction de la population DGF, et la population DGF, c'est la population INSEE plus un habitant par résidence secondaire. On sait très bien que ces communes touristiques, elles ont des charges supérieures d'entretien. Et surtout, on sait que les résidences secondaires sont utilisées de plus en plus. Elles ne sont pas tellement secondaires, mais elles sont de plus en plus utilisées, soit par des retraités, soit par des gens qui travaillent à distance. Et donc, elles ont une vraie utilisation. Donc, l'ensemble des services sont utilisés. Il faudrait commencer à les considérer comme des habitants permanents. Et c'est pour ça que l'amendement proposé, il propose de comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu de un actuellement. Merci.